بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait nous réunir de sur la case pour nous profiter l'occasion au Ramadan, nous profiter comme une occasion pour apprendre un peu quelque chose concernant nos dînes, pour apprendre des affaires essentielles. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, ensemble, nous pouvons essayer de comprendre ben maqasid al-sharia, ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Maqasid, pluriel de maqsad, qui veut dire objectif, ben objectif sharia. Alors, sharia, comme on nous connaît, c'est façon qui nous besoin vivre. Moi, pour essayer de traduire ben terme là, dans façon plus simple possible, parce que ça topic là, il est capable d'être bien technique. Alors, moi, pour essayer de faire le plus simple possible. Donc, sharia, c'est façon qui nous besoin vivre dans nos sharia et dans nos aqidah, nos croyances. Et dans fiqh, la jurisprudence islamique, ça veut dire qui manière nous pratiquons nous quelque chose tous les jours, comment nous faire ibadat, comment nous faire mu'amalat, comment nous deal avec Benjamin, tout cela. Après, nous avons suluk, nous avons tasawuf, nous avons l'ihsan, nous avons le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, spiritualité, comment nous dire. Donc, la sharia, c'est Allah sur din qui lui a envie de nous pratiquer, comment nous bien vivre. Sharia, lui vient de nous, qui manière nous bien faire. Nous avons fait tout le temps, nous devons comprendre ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, l'île qui crée nous, Allah qui crée la terre, Allah qui crée tout quelque chose. Et bien, la personne qui est capable de connaître ça, comprendre ça plus bien qu'il est. Quand même, qui quantité intelligent nous capable d'être, qui quantité l'expérience nous capable d'être, nous pas pour capable de connaître nous-mêmes plus bien qu'Allah. Nous pas pour capable de connaître le système, dans tous les sens du mot, plus bien qu'Allah. Et bien, la personne plus apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de dire nous dans la meilleure façon, qui manière pour vivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à la terre, il ne quitte nous comme ça même. Il nous donne nous tout ce qui nous besoin pour nous capables de vivre bien. Donc, applique sharia, c'est applique quelque chose dans nous l'avantage. Sharia, il est dans nous l'avantage, il est dans nous l'intérêt. Il ne faut pas nous. Et dans comprends-le comme ça, kafir normal, les professeurs l'attaquent, là, musulmans aussi, ils rentrent dans ce piège, qui, aïe, sharia, c'est quelque chose qui vient fatiguer nous, c'est quelque chose qui vient rendre nous la vie difficile, c'est quelque chose qui, quand nous pouvons pratiquer, alors, les professeurs nous viennent manger mon apport, les professeurs nous la vie viennent difficile, les professeurs nous restent un petit peu dans marge de la société, non, il n'est pas comme ça. Sharia, quand on applique les, ça même meilleur pour ce qu'ils nous appellent the natural way. Sa même meilleure façon, pas juste pour nous, musulmans, mais pour les non-musulmans, pour les kafirs aussi. Parce que si je peux appliquer sharia, c'est pour bon pour eux-mêmes. Donc, sharia, c'est un bienfait qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un cadeau, ça. Imaginez, ils mettent nous l'eau à la terre, ils laissent nous comme ça même. Allez, guettez comment je t'en vis vivre. Après, moi, vous dis, vous connaissez qui ça la terre, là, qui tu peux être? C'est pour pire qu'il la jungle. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 prophètes. Il a envoyé meilleur dans la création, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin met tout ça la clé devant nous. Nous y suffisons, applique-le. Il est là dans la dent et n'a dit bien pour nous. Mais seulement, nous pas comprendre. On peut rouler dans l'auto, on arrive dans la ligne blanc, le robot peut montrer rouge. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez arrêter. Et n'a dit, moi, il y a agacé, il est pressé. Il est à droite, il est à gauche, il est là-bas, il n'est pas trouvé dans rien. Il dit, qu'est-ce que vous voulez arrêter là? Il essaye de tracer pour les sorties. Comment les sorties? Un le taux, pas qu'on est que de sortie, venir t'apporter. Ça dit, mon là, il ne comprend le système, côte de la route. Il ne comprend qui fait, et dans la ligne blanche, qui fait, robot la rose, qui fait, les types bien arrêtés là, les parties bien faire sur l'esprit de travail. Il y a une seule affaire, tu viens penser. Les rouges m'ont arrêté, quand les verts m'ont roulé. Si tout le monde fait ça, tout le monde peut correct, pas pour un accident, personne pas pour blesser, le taux pas pour endommager, les autres quelque chose pas pour endommager. Quand il y a un accident, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Alors, ce système-là met en place pour qu'il y ait des gens capables de circuler correctement sur la route.
nous y bien respecter lui. Ça, dit monde sur la loi, ça, insan sur la loi, ça. Mais seulement Allah sur la loi, lui, meilleur. Et la fois, nous comprenons, nous essayons, faire nous l'esprit travail. Vous connaissez na, la loi avec l'esprit de la loi. La loi, bien faire ça, bien pas faire ça. L'esprit de la loi, qui fait une dire bien faire ça? Qui fait non, pas faire ça? Et la manière dont je prends l'esprit de la loi, je comprends l'esprit de la loi, après je te servis ça comme une raison pour qu'on tourne la loi. Et dans nos entrées, je n'ai pas le droit de rentrer. Je calcule un coup, je dis ça, ils mettent nos entrées à cause de serrer ça. Je dis un coup bien, bien à personne, je ne peux pas rentrer. Donc je rentre, moi. Quand je plie devant pour débousser l'homme, je trouve qu'il est impossible pour me débousser. Parce qu'il s'y met d'une façon. Moi, je pensais qu'il me croit. Il nous entrait à cause du serré. Même on a trouvé là-bas qu'il s'est débouché là-bas, il est tellement compliqué, il est dangereux, qu'il y a cause de ça nous entrait. Mon pensée, mon compte, tout bonne raison. Alors, moi, je fais le devant. Allah, subhanahu wa ta'ala, sur la loi, il complète, il parfait. Allah complète bien. Alors, nous capables de comprendre certains, l'esprit de la loi, nous capables de comprendre certaines raisons, certains, un objectif, mais jamais nous pour comprendre tout. Un tigin nous pour comprendre. Wa ma outitum min al-ilm illa qalila, comme Allah dit. Pas fin d'un jeu de connaissances, excepté un tigin même. Ça tigin qui ont gagné la agir ou là. Allah, il dit, ou faire ça, ou faire li. Allah, il dit, ou pas faire ça, ou pas faire li. Il a dit bien pour vous là-dedans. Essayez autre raison. Ok, on comprend raison là, bien bon. Mais vous connaissez qu'il y a les autres raisons encore qui vous pas connaît. Alors, Allah, il dit, mo, accepter. Un autre quelque chose encore, c'est qui, sharia, il vient là. Nous avons une injonction qui nous a pour faire, ban faraz, ban sunnat. Ban haram, tout ça là, nous besoin reste loin. Tout ça là, li bon pour nous propre du bien, l'eau, la terre. Mais aussi, les nains côté spirituel. Quand nous poursuivons Sharia, nous pas pour gagner du bien, juste l'eau, la terre, mais nous pour gagner sawab auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est, il prend ça comme un moyen pour faire nous rapprocher avec lui. Allah, tout, la vie qui manière, tu besoin vivre là. Faire ça, li bon pour toi, ça. Pas faire ça, li pas bon pour toi, ça. Ça veut dire que tu peux enjoy dans l'ordonia. Quand tu fais ça, moi, je vous donne toi encore savoir. Tu fais quelque chose qui dit bien pour toi, l'ordonia, moi, je vous donne toi jannat. Qui voulait plus que ça? Seulement, malheureusement, nous tournons les deux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, o banjimun kina iman, istajibu lillahi, répond à Allah, walir rasuli et à au prophète, au messager, sallallahu alayhi wa sallam, idha da'akum, quand li appelle zot, lima yuhyikum, vers ce qui fait zot vivre. Au banjimun kena iman, répond à Allah et à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand li appelle zot vers ce qui fait zot vivre. Ça veut dire quand on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou peut répondre vers une meilleure la vie, ou peut tourner vers une meilleure la vie. C'est ça qui peut faire vivre. Sinon, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui détourne lui depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Lui, pour gagner une la vie difficile, compliquée. Et ayat Quran continue, wa'alamu anna Allah yahoulu bayna al-mar'i wa qalbi. Et connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala li sente un dimon avec sur le cœur, wa annahu ilayhi tuhsharun et c'est vers l'imam qui vous retournez. Donc, première dimension là-dedans, là où la vie ici répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, où vous vivez plus bien. Deuxième, connaît qui c'est vers l'imam qui vous retournez et il est là où vous vous rendez compte. Alors, au sharia, il y a différents maqasid, un objectif. Il y a un objectif qui va nous l'a fait classifier par l'importance. Par exemple, nous avons ad-daruriyat, ben quelque chose essentiel. Ça veut dire sans ça, nous ne sommes pas capables de vivre. Et nous avons al-hadiyat, ben quelque chose nécessaire. Sans ça, capable de vivre, mais c'est mal la vie bien difficile. Et nous avons ben tahsiniyat, ben quelque chose qui fait la vie plus agréable, qui embellit la vie. Donc tout ça là, sharia, fait le mettre devant nous. Nous ne pouvons pas rentrer dans sa ben catégorisation là. Nous vous prenons lire dans ce sens plus général. Alors, il y a cinq kulliyat, il y a cinq ben, quelque chose essentiel, général, qui sharia li préserve. Nous sommes capables de dire cinq objectifs sharia, général, li préserve sa cinq quelque chose là. Sa cinq quelque chose là, c'est premier à din, nos religions. Din, pas veut dire juste religion. Cette traduction n'est pas trop bon ça. Din, c'est un mode de vie complète ça. Et il y a aussi la croyance là-dedans.
Deuxième, c'est al-nafs, dis-moi-là sur la vie lui-même, sur être. Troisième, al-aql, l'intelligence, le raisonnement. Quatrième, al-nasl. Nasl veut dire la progéniture, ou soit la généalogie, si vous voulez. Ça veut dire un dimoun sur côté, sur ti, sur famille, sur maman, sur papa, sur famille. À nous mettre comme ça sur famille. C'est quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Un dimoun ne peut pas appeler un nasl. Il n'est pas capable, par contre, sur maman, sur papa, peine à maman, peine à papa, comme aligner, laisser comme ça même. Alors, c'est un affaire essentiel dans la vie. Et cinquième, al-mal, le bien. Quelque chose qu'il est besoin pour les consommer, pour les vivre. L'argent et tout, les autres affaires encore. Alors, Inch'Allah, nous pouvons essayer, guetter ensemble, quelle manière, Sharia, accomplir ça, un objectif là, et quelle manière, quand nous pouvons suivre Sharia, nous pouvons suivre un régime, une façon, pour nous préserver ces cinq quelque chose essentiel pour nous là et qui manière les vins bon pour nous là-dedans. Inch'Allah, nous pouvons essayer, connaissez-nous, on a pour développer en détail, nous parle beaucoup le temps, nous pouvons essayer à le plus rapidement possible. Donc, premier, hifdhuddin, préservation de din. Din, c'est tout un système de croyance, c'est une bonne pratique, c'est un mode de vie complète. Hein, comment on dit, c'est qui on dit, t'allais là. Din, nous pas qu'à traduire, elle existe pas en religion. Et dans le monde, pour lui, religion, c'est elle n'a prié dans dimanche. Elle a dit, monde pour les religions, c'est juste faire ça, pas faire ça. Non, din, c'est plus que ça. C'est la prière, c'est ibadat, c'est comportement envers tout le monde, comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, comportement envers les animaux, bonnes affaires business, bonnes affaires sociales, bonnes affaires personnelles, psychologiques, psychiatriques, médicales, tout quelque chose qui est dans la vie du monde. Quelle manière pour vivre ça, ça qu'appelle din. Et surtout, il y a une croyance là-dedans. Nos relations vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala. Premier objectif là-dedans, premier quelque chose qui vient faire, c'est nous, insan, les réserves lui-même au ibadat Allah, subhanahu wa ta'ala, exclusivement. Nous pose question, qui fait Allah fin créer nous? Est-ce qu'Allah fin créer nous pour nous vivre l'eau, la terre, après nous morts, nous aller? Est-ce qu'Allah fin créer nous pour nous manger, boire? Est-ce qu'Allah fin créer nous pour nous travailler? Non. Nous disons à Allah, qui fait-tu fin créer nous, ya Rab? Alors Allah donne-nous réponse dans le Coran. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Moi, pas fin créer djinn avec djimoun, excepté pour faire mon ibadat. Donc, raison d'être qui fait nous respirer là, qui fait nous vivre, qui fait nous naître, qui fait nous l'eau la terre, c'est pour faire Allah son ibadat. Faire Allah son ibadat, ça veut dire reconnaître-lui comme un Seigneur. Reconnaître-lui comme c'est lui qui fait créer nous. Avant qu'il ait créé nous, nous sommes encore dans le rouh. Avant qu'il ait créé nous l'écho, il y avait nous l'eau la terre. Nous sommes dans le rouh, nous sommes réunis tout dans le rouh. Nous sommes dire, Alastu bi rabbikum, est-ce qu'il n'y a pas de rab? Kalou, je tout, ça vient nous tout. Nous sommes dire, bala, bien sûr. Shahidna, nous témoigner. Nous tout fin accepter Allah comme un rab. Léla, nous fin avoir nous l'eau la terre. Léla, nous fin lié. Là, il finit à avoir 124 000 prophètes pour venir faire nous rappel. Ça, quelque chose essentiel là, reconnaître Allah comme un Rab et adorer exclusivement. Comment bien? Allah nous raison qui fait nous peut vivre la terre. Si nous pas pour faire ça, pas vaut la peine de nous vivre. Si nous pas pour reconnaître Allah comme un Rab, si nous pas pour faire cette adoration comme bien, pas vaut la peine de nous vivre. Nous besoin dire nous-mêmes, mais qui fait nous peut vivre si nous pas peut faire ça bien. Alors, première affaire, c'est qui, bien, prend dimon là, mettre-lui exclusivement dans l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Sharia, il fait ça, elle est là. Quand un dimon est dans ça, qui peut arriver, il prend un wijdan, il prend un damir, il prend une conscience. Quand un dimon est dans un din, il y a un iman dans un rob, il connaît, il peut retourner vers lui, ça dimon là vient un autre dimon, ça dimon là vient honnête, ça dimon là vient gentil, ça dimon là vient juste. Et quand il y a un dimon comme ça dans une société, société là, les élever, les monter. Mais quand on peine à ça, Dimon peine à conscience. Dimon pas croire qu'ils ont pour retourner vers un robe. Je te fais ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont tout bon. Alors, les là, on est qu'un pour être autour pour vous trouver qui peut arriver. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Oriente-toi même ton wajh. Ça veut dire ton être vers un din en tant que hanif. Ça veut dire en toute sincérité. فطرة الله التي فطر الناس عليها. L'eau, la nature. On peut traduire فطرة par la nature. Dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fin créer insan.
Allah fin crée une sans loin nature. Retourne vers sa nature là. Quand on dit monde pour tourner zot les deux, les là zot pour dénaturer. Les là zot pour sortir dans zot moule, dans zot qualité insane, zot pour vine pire qu'ils animaux. Les là où vous trouvez ban dit monde peut agir d'une façon qui ou n'est plus comprend ou même. Dit monde in dénaturé. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala fin élevé grade insane, ashraful makhlouqat. Nature dans laquelle Allah fin crée insane. La tabdila li khalqillah, Allah pas sans sa nature là, sa nature dans laquelle Allah fin crée insan là, il pas sans ça. Insan reste insan. 5000 ans de cela, azodi, 500 ans après, insan pour reste insan. Pas cause li nan potable de cela, mais, pas cause li pe voyage dans avion, li senti li plus bon qui sa insan, qui peut vivre 100 ans de cela là, non. Insan, c'est insan. Quand même, qui l'époque qui n'arrivait, insan, sauf aller, elle y restait. ذلك الدين القيم ça même sa din qui ferme là ça même ça sa nature donc nous din c'est the natural way ça même sa nature dans laquelle Allah fin créé nous là ça nous besoin retourner vers ça ولكن اكثر الناس لا يعلمون mais majorité bandi mon zot pas connaît sharia li met ban baraz li met ban consolidation pour nous yakin pour nous croyance dans Allah pour nous conviction pour nous une base dans nos dînes, pour nous usulul iman, pour nous iman, pour une base dans dînes. Par exemple, nous pour apprendre le Coran, quand un prophète vient venir, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient venir, qui lui fait amène pour nous, lui fait amène iman, comme Allah dit dans le Coran, aman al-Rasul, ayat qui nous tout connaît, vers la fin sur la Baqara. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui fait amène iman, bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, li fin amen iman lo se ki sorab fin revel lo li e ban mu'min ban croyant aussi fin amen iman pareil kullun zot tout la dan amana billah zot amen iman lo Allah wa malaikatihi e lo suban ange wa kutubihi lo suban livre wa rusulihi lo tout suban envoyé la nou fadriku bayna ahadim min rusuli zot pa faire différence entre aucun de ban envoyé ça veut dire zot accepter tout musulman y accepter tout ban prophète comme un prophète d'Allah لا نفرق بين احد من رسله وقالوا اذا جاء سمعنا واطعنا نفنتاندي نو اوبير على نو comportement vis-à-vis rasulullah sallallahu alayhi wasallam vis-à-vis sharia nufintande nou obéir parce qu'il nous connaît et n'a dit bien pour nous là-dedans dit bien dans dunya et dit bien dans akhirat nou sharia li pa ja nou espoir comme ça même li donne nous ban burhan aqli ban preuve qui relève de l'intelligence Allah à chaque fois peut dire nous au bandi mon qui na iman au bandi mon qui na l'intelligence Allah tout le temps li peut dire nous penser réfléchir li dit dans Coran awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard est-ce qu'ils ont pas get les royaumes de la terre avec les ciels وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ est-ce qu'ils ont pas get dans tout ban quelque chose qui crée qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée Allah dit wa ka'ayyin min ayatin fi as-samawati wal ard combien man sin Allah ena lo le ciel lo la terre yamuruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun man dit mon zot pas à côté ça man sin là seulement zot pas casse la tête zot pas prendre compte wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah les temps dit azot suivre ce qui Allah fin révélé. Qalu je dis bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Non, nous pour suivre ce qui nous trouve nous ban grandi monde peut faire. Ça veut dire même si pénal l'intelligence ça n'en pas faire nous pour suivre nous. Je te rejette l'intelligence pour suivre ban coutume qui fausse qui basé le fausseté. Awala kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Et que Allah comme décrire je ban ancêtre est-ce qu'ils ont ban ancêtre avant je te patine à aql, je te patine à l'intelligence, je te patine à servir l'intelligence, et je te patine à guidance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, quand il met ce dîne devant nous, il interpelle nous l'intelligence. Nous vous trouvez à l'air, parce qu'il s'éteint devant l'objectif, pour, hifz, pour préserver l'intelligence. Et, nous dîne, nous sharia, il raffermir, il établir, ban ibadat, et ban pilier dans dîne. Pour qui nous renouer sa connexion là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a institué 5 fois namaz. Comme Allah dit, wa aqimis salata li dhikri. Fais namaz pour qui te ferme au zikar, pour qui te rappelle moi. Alors nous ne faisons pas vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa dunya là, li pou aval nou li. Alors à chaque fois, nous couper avec dunya, nous retourne vers nous Rabb. 5 fois par jour, retourne vers Allah. Attention, attrape ça la corde la ferme, n'a pas les li logé, n'a pas les li coupé. Reconnecter avec Allah régulièrement. Ban moi malade, par exemple, en zakat, dans mon dit bien, mon pense, ban dit mon misère à cause Allah. Mon garde rosa qui nourrit mon conscience, mon faire hajj, ainsi de suite. Donc tout ban ibadat qui est là. Pour refaire mon contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa façon là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sharia, lui assurer que sa banda là, lui reste en connexion avec son Rab tout le temps, donc lui préserve son din. Nous connaissons hadith wali, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans hadith, qui man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Après il dit, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Mon banda dans quelque chose qu'il y fait pour lui rapprocher avec moi, penanoyen qui m'oblige plus content qui ban quelque chose qui m'on fin faire obligatoire loli. Donc là nous trouver rosa obligatoire lolu Ramadan, hajj obligatoire lolu une fois dans la vie, zakat obligatoire lolu si nous n'avons les moyens l'argent, et namaz obligatoire lolu inconditionnellement 5 fois par jour. Qui fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il a envie de nous rapprocher avec lui. Nous besoin connaître qui ça, ban quelque chose qui est obligatoire là, ça même ban quelque chose qui peut faire nous rapprocher plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'a dit bien pour nous là-dedans. Lala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hatta uhibbahu lala, Allah continue de dire lala mubanda li continue faire ban quelque chose pour lui rapprocher avec moi à travers ban nawafil, ban quelque chose qui en plus qui pas obligatoire li faire ça de son plein gré. Hatta uhibbahu lala, Allah dit jusqu'à qui mon content li ou suivre sharia ou continue jusqu'à qui Allah content ou hadith la continue hadith wali ça jusqu'à ce que dimon la li vin wali lala. Allah vient sur la main pour laquelle il trappe, se liger pour laquelle il guette, ainsi de suite. Nous connaissons hadith. Donc, l'islam est fondé, les 5 piliers, boni à l'islam ou à la khams. Premier, shahadat à Allah, ilaha illallah, wa anna Muhammad al-Rasulullah. Shahada, témoignage. Ben a bon Dieu apporte Allah, ben aucun bon Dieu apporte Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est son messager. Deuxième, iqam al-salat, fait namaz 5 fois par jour. Troisième, ita al-zakat, donne zakat. Et 4e, saum Ramadan, garde rosa dans Ramadan. Et 5e, hajj, où c'est lui qui est un moyen. Donc ça, 5 piliers-là, les haine devant moyen, qui manière, sharia, li établir sa premier objectif-là, hifz ad-din. Et dans les autres quelque chose encore qui bizarre, pour faire hifz. Et là, ce qu'on appelle da'wa, ad-da'watu ilallah, bizarre appel vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, waltakum minkum ummatun, qui est un groupe de monde parmi eux. Yad'ouna ila al-khayr. Je t'appelle vers le bien. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Je t'ordonne le bien, je t'empêche le mal. Ça important dans préservation din. Si pas point ça, din pour finir. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Tout le temps besoin un groupe de monde parmi musulmans qui peut faire ça. Ordonne le bien, empêche le mal. Si dans une société n'a pas ça, al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, alors sa société là pour finir. Comme Rasoul sallam dit à nous dans hadith, dit mon pour faire droit, Allah va pas accepter. Qui faire? Pena al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Le bien peut négliger, dit mon pas faire rien, pas casser la tête. Dit mon peut engager dans le mal, dit mon pas casser la tête. Alors ça c'est un drame qui est capable d'arriver. Premier quelque chose qui peut affecter là-dedans, c'est Dimon la Soudin. Wa ulaika humul muflihun. Allah dit, c'est Dimon qui fait ça là. Alors, c'est un groupe Dimon qui fait ça là. C'est ça, ben Dimon là qui fait succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Udu'u ila sabili rabbik. Invite Dimon, appelle Dimon vers le chemin de ton Rabb. Bil hikma, avec hikmat, avec sagesse. Wal maw'idhatil hasana, avec la bonne parole. Cause bien avec du monde. Servi ban meilleure façon pour inviter du monde vers din, vers l'islam, vers Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan, et adresse-les dans meilleure façon. Sa responsabilité chacun parmi nous pour lui faire da'wa, pour lui faire tablir. Nous avons camarades, nous avons du monde qui nous connaît,
li tourne sur les dos avec din li pa pe reconnaître Allah comme son rab li pa pe faire Allah son ibadat. Alors nous qui proche avec lui li nous dévoile pour dire li eh tu connais nous trouve moi avec mon camarade mon complice bien qui langage qui moyen qui quelque chose mon capable servir qui meilleur comme Allah dit jadilhum billati hiya ahsan meilleure façon. Moi, avec son camarade là, je connais qui meilleure façon est là pour inviter lui vers Dieu. Chacun d'entre nous le connaît, dépendant de la relation qu'il y a avec sa dimon là, son voisin, son camarade, son famille. Aller vers dimon là, invite lui. Lui accepter, lui pas accepter, pas aux responsabilités ça. Allah qui donne hidayat. Mais où au moins, on a besoin de faire sa part. Préservation de Dieu. Vous connaissez dimon là, il peut tourner depuis la réalité, depuis la vérité. Alors invite lui vers sa vérité là. L'islam, l'in permet Bandimoun et a une liberté de croyance. Vous connaissez la charte des Nations Unies là. Je bosse beaucoup de quelque chose. Tout ça là, l'islam il dépasse tout. Liberté de croyance. L'islam il fait ça. La ikraha fi din. Pena compulsion dans religion. Pena fausse dimoun. Je ne sais pas pourquoi pas avoir fausse dimoun à dire t'es obligé de croire dans Allah, t'es obligé de croire dans Rasulullah. Comment je peux obliger un dimoun pour croire? De soleke ça. Au contraire, si mon pou faire ça, di moun pou développer des goûts. Di moun pou trouver be ça l'islam ban musulman là c'est ban oppresseur ça. Je te envie impose cette religion là au moins. Alors, li prend une mauvaise impression leur religion là. Combien di moun fait ça? Aujourd'hui nous ban frères c'est en islam comment appel subir dans la Chine, je peux subir dans l'armée ban bouddhiste dans Birmanie, je peux subir dans Birmanie, dans Myanmar, dans l'Inde. Ban mushrik pe impose ban principe lo musulman. Alors ki musulman, ki l'in fait li? Quand musulman tiena, ti pe contrôle le monde. L'état islamique. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin instituer l'état islamique. Quand ban khulafa rachidoun fin vini. Sa di moun ki ti choisir pour pas croire dans l'islam là. Qu'arrive li? Li ti pe vivre comme un citoyen à part entière. L'in choisir pour être chrétien, pour être hindou, pour être juif, pour être Zoroastrien, Majoussi, ce qu'il y a envie pour être athée, ok, so liberté pour lui ça. Il déclare lui comme un citoyen dans l'État islamique, il prend sa responsabilité en tant que citoyen, il gagne tout bon droit en tant que citoyen, à tel point que si sa sécurité est menacée, l'État islamique pouvait une prothèse, lui là. L'armée pouvait une séparer là. Au contraire, dans certains respects, il tient plus droit qu'un musulman. Par exemple, quand il y a djihad pour faire musulman obligé de la guerre, quand il y a problème, sécurité menacée, musulman obligé de prendre homme. Sallallahu, non, il n'est pas obligé. Parce qu'il n'est pas musulman. Mais seulement, quand il est en difficulté, musulman obligé de lui. Donc, liberté de croyance. Léla, il n'est pas accepté Allah comme un sourab, ça, il est libre, il n'est pas besoin de rendre compte devant Allah. Nous n'est pas capable. Nous causons avec lui, nous faisons dawa avec lui, nous donnons lui toute possibilité, nous donnons lui toute facilité pour lui croire. L'Iban croit, nous pas pouvons faire plus que ça. Il prend son responsabilité. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, lahum ma lana wa alayhim ma alayna. Je t'ai ban même droit que nous et je t'ai ban responsabilité pareil comme à nous dans l'État islamique. Mais qui arrive si ça va dire monde là, certains parmi eux, je devine menace nous dit, là il y a une autre quelque chose là. Là il y a une autre affaire là. Tant qu'il dit monde là, paix vivant, paix tranquille. Ok, alhamdoulilah, nous bons, nous camarades, nous voisins, nous avons tout bon droit, nous pouvons être libres. Nous pouvons mettre la vie en danger pour sauver sur la vie, pas faire rien. Mais du moment qu'il y peut venir, menace nous dit, nous croyons, quelque chose qui plie important qui nous est là. Nous dit, plie important qui nous la vie, plie important qui nous famille, qui nous dit bien, qui nous propre la vie. Il peut venir, menace ça. Là, attention, nous pas pour rester tranquille. Donc, Sharia dit à nous besoin d'y goûter. Si besoin d'y goûter, l'idée avec, besoin discuter avec lui verbalement, intellectuellement, administrativement, politiquement, si besoin militairement, si besoin. Comment finir arriver beaucoup de fois? Nous prenons l'exemple bataille de Badr. Sa bataille-là, confrontation entre musulmans avec kafir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la veille, lui fait adoir. Il pleurait, il fait adoir, il dit, ya Allah, si nous perdissons la guerre là, je vais paraphraser en créole, personne ne va pouvoir faire ibadat sur la terre. L'islam finit là. Alors, musulman, fin d'y goûter. Je ne suis pas sorti pour la guerre, hein. Pas tiens, tiens, vas-y, des chevals avec eux.
7 chameaux. Tout le monde qui peut marcher à l'époque. Alors qu'il y a là, il y a 1000 chevaliers armés jusqu'aux dents. Ici, il y a juste 313, dit mon. Moussalman, il y a la guerre quand même ça. Allah fin avoué ban ange, 3000, 5000 anges fin vini fin la guerre ensemble avec ban Moussalman. Pareil bataille Uhud, pareil bataille Khandak, quand Moussalman se dit si en danger. Donc, quand nous dit en danger, nous cousins d'écouter pour préserver nous dit. C'est pas du terrorisme ça. Terrorisme ban les autres qui ne font. Je dis Moussalman terroriste, ban les autres qui ne font. Hein, me donne-nous quelques exemples. Donne-moi des 3 minutes, me donne-nous quelques exemples. Première guerre mondiale, qui s'en a une faire, dans laquelle 50 millions, 60 millions d'immunes sont morts. Moussalman qui ne fait ça? Non. Deuxième guerre mondiale, qui s'en a une faire, 6 millions de juifs sont exterminés. Qui s'en a une faire ça? Moussalman? Non. Bombe Hiroshima, qui s'en a-t-il orgueil? Moussalman? Non. Algeté qui dégage une faire. Mais innocents par dizaines de milliers sont morts là-bas. Quand la Russie, tu peux tuer un immune par milliers. Quand un colonisateur final dans l'Amérique, ça va un pauvre indien d'Amérique là, un indigène là-bas, autant, plus qu'ils sont en millions, fin massacrés. Qui s'en a fait faire ça? Moussalman? Non, pas Moussalman. Les croisés, une croisade. Nous connaissons qui était Europe 40 dans mon détail. Qui s'en a fait faire ça? Moussalman qui fait ça? Non, Moussalman victime là-dedans. Au cas où aller encore, un différent la guerre qui paye aujourd'hui, la guerre du Golfe, la guerre menti, une massacre du monde. Qui s'en là qui nous fait ça? Moussalman, au contraire, Moussalman, victime là-dedans. Seulement, nous qui gagnons un type terroriste. Alors, ban là, pas les comprendre ou dire, au moins, ou Moussalman comprend ou dire bien. Alors, quand Allah peut dire la guerre, c'est pour défendre nous dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qatilu fi sabilillah. Et fait djihad, ça veut dire la guerre dans Allah se cimène. Fi sabilillah, c'est moi, hein? Pas à cause du propre intérêt personnel, non. À cause Allah. Alladhina yuqatilunakum, la guerre contre ban qui? Et la guerre contre Dieu, ça veut dire pas ban du monde qui est tranquille, qui peut vivre paisiblement, non, ça ban là, non. Ban qui peut vivre la guerre contre tout, ça veut dire ou pas agresser au début, ou pas commencer la guerre. Si ban là vient la guerre, elle est là où défendre. Ou alors, ta'adadou, n'a pas transgressé, attention, n'a pas dépassé limite. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah certainement, il n'est pas content ban qui transgressé, ban qui dépasse limite. Allah dit, wa qatilouhum hatta la takuna fitnatun. Et la guerre contre eux, jusqu'à qu'il peine à fitna. Fitna veut dire des autres, façade de la terre. Dimon vini, vini mettre des autres de la terre. Moussalman, pas capable, reste tranquille, les bisins d'y goûter pour en hommes la guerre. La guerre contre eux, jusqu'à qu'il n'est plus à fitna. Wa yakoun ad-dinu kulluhu lillah. Et qui, jusqu'à qui, ad-din, la religion, ad-din, est complètement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa in intahaw, si ban là arrête la guerre, فلا عدوان الا على الظالمين allo penal admité à part contre ban qui injuste nous pas l'ennemi avec eux non je peine la même croyance qui nous pas fait non rien je pas fait la guerre contre nous OK nous pas autre l'ennemi nous quand autre la guerre elle est là et nous din fin mettre beaucoup l'emphase aussi pour préserver nous din la charia fin mettre beaucoup l'emphase aussi l'éducation rasoul sallam dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima recherche la connaissance bien Farida, il y a une obligation, le sac musulman, monsieur, madame. Donc, nous dîn, tout le temps, fin promouvoir la connaissance. Pena aucun dîn, l'eau, la terre, qui fin, et n'a autant intellectuel, autant ban érudit, qui fin produire autant d'ouvrages intellectuels, qui fin exceller dans l'intellect, dans tous les sens du mot, qui dit côté purement religieux, théologique, côté scientifique, avec dans les autres domaines, peina, comme un musulman, finité, à travers les âges. Sa quantité de livres, on prend juste l'exemple livre, sa quantité de livres que musulman, fin écrit là. L'Occident, bizin, assisé grand matin, tantôt, écrit pendant 500 bonnes années, non-stop. Là aussi, je vois beaucoup arriver sans sa quantité qui nous est là. Ça aussi, il y en a beaucoup là-dedans, pour des millions et des millions, fini détruire ça. L'ennemi, fin détruire ça. Là aussi, nous est là, sa quantité. Nous dîn, l'époux, perpétué par la connaissance. Si Moussalman pour néglige la connaissance d'Ine, alors c'est ce d'Ine qui l'y peut négliger. Malheureusement, c'est un drame aujourd'hui qui nous trouvait Moussalman, l'y peut continuer dans Djahalat. Quantité d'Imoun qui connaît d'Ine peut diminuer puis aller même, et ben d'Imoun qui connaît là, quantité qui je te connais peut diminuer puis aller même. Moussalman peut néglige l'éducation d'Ine. Un des moyens qui charia fin mettre là pour nous préserver nous d'Ine, c'est l'éducation digne, la connaissance. Et
charia, donc, les fin instituer ben, quelque chose au niveau social. Par exemple, dans masjid, nous joignons 5 fois par jour, nous faisons namaz dans jamaat, nous joignons dans hajj, nous avons ben, différents quelque chose comme ça au niveau social. Pour qui quand dimoun joigne, les là, ça aide ben dimoun pour préserver ce din. Si un dimoun il reste la case, il reste isolé, ce din en danger. Shaitan peut attaquer. Comment un lélou, il peut attaquer un mouton qui sortit en dehors du troupeau. Mais quand ils sont ensemble, alors ils sont préservés. Ça, c'est concernant nous dîmes. Nous avons deuxième, préservation en nafs, préservation l'être, en dîmon, préservation en dîmon sur la vie. Il y a beaucoup de quelque chose qui est nécessaire dans la vie en dîmon. Mais pour qu'il y ait un dîmon vivant, pour qu'il prenne naissance, pour qu'il y ait un dîmon prenne naissance, il faut qu'il y ait une maman et papa. Il faut qu'il y ait une institution qui appelle le mariage. Alors, nous, charia, fin prend mariage, fin mettre en affaires extrêmement valeureux. Fin donner un grand, grand, grand statut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa min ayatihi, et parmi Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Le fin crée pour eux, ban père. Il crée monsieur, madame, en père. L'itaskunu ilayha, pour qui je reste comme un, quand sa père là, il joigne, et na sakina, et na tranquillité là-dedans. À cause ça, un attiré à l'autre. Comment? Et dans l'autre place, Allah dit, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma, li fin met mawadda rahma en zot. Donc, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a l'affection, il y a l'attirance. Il y a tout ça, quelque chose là, qui bien sûr, bien géré. Mais quand vous gérez bien, alors c'est ça qui fait la race humaine continuer. C'est ça qui fait la terre peuplée. C'est ça qui fait survivre une race. Qui lit côté des animaux, qui lit côté du monde. Alors, ça, quelque chose d'important. Alors, qui fait nous mentionner ça ici? Qui fait nous mentionner ça ici? Parce que nous pouvons trouver, ban qui peut, ban l'ennemi, Satan se travaille, peut venir attaquer ça aujourd'hui, peut venir attaquer la famille aujourd'hui. L'homosexualité. Il vient attaquer directement la famille. Ou imaginez dans une société, fait qu'on va dire majorité du monde homosexuel. Qui veut dire ça? Monsieur avec monsieur, madame avec madame. Est-ce qu'il prend des enfants? Pas pour les enfants. Population pour diminuer. Sa société-là, l'ipial vers l'extinction. L'ipé fini, ça. Ça même qui nous manque l'ennemi peut faire. Je peux envie finir nous. L'homosexualité peut venir finir nous. Alors, dis-moi, pas peut comprendre. Dis-moi, peut dire, non, mais, l'in content, laisse-le. Qui ça veut dire ça, l'in content, laisse-le? Si vous rentrez dans sa immoralité, dans sa imbécilité logique-là, on va peut trouver qui c'est un, quelque chose peut faire pour undermine. Pour venir finir nous à la base. Nous besoin d'y bout fermement contre ça. Haut et faux, nous besoin d'y a pas gagnanté. Allah, voyez malédiction, l'eau, ça va en dimon là. Alors, un des premiers quelque chose pour préserver un dimon lui-même, pour préserver la race humaine, c'est mariage. D'ailleurs, nous pouvons être un petit peu en détail quand nous pouvons guetter l'eau à nasle. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce charia, fin faire obligatoire l'eau en insan pour lui gagner, pour lui alrot, ban moyen pour se la vie, pour les vivre. Par exemple, il est obligé de travailler. Un dimon, il est obligé de travailler. S'il n'est pas travail, il peut vivre comme un parasite, il peut mendier, il peut vivre aux dépens devant les autres, ça dimon là pour foutre. Il est obligé de manger. Un dimon n'a pas le droit de dire, mon papa, manger. Il est haram, ça. Il est obligé de manger. Un dimon est obligé de boire. Il est obligé de dormir. Par exemple, quand il est malade, il est obligé à le droit de guérison. Il a trouvé dans telle maladie, le docteur dit, il a besoin de boire sa médecine là, il a besoin de boire, sinon il peut faire pécher. Il n'a pas le droit de rester avec son maladie comme ça, il est détérioré, il est obligé à aller à un docteur. Ou à dire ça, qui fait pour lui sauver sur la vie. Sharia ça, mon frère. Sharia ça, c'est pas juste common sense ça, c'est nous dîmes qui disons ça. Un dîmon est obligé à la toilette. S'il n'est pas à la toilette, il peut faire les mêmes titres. Parce qu'il a besoin d'évacuer quelque chose nocif pour son corps. Donc, tout ça, man, affaire là, c'est pas une obligation, nous, charia, fin mettre obligatoire, ou nous. À tel point qu'il y en a man, quelque chose qui est haram. Si un dimon, il est dans une situation extrême, que sur la vie, puis aller. Mais seulement, il est obligé, pense à quelque chose haram là, nous dit, donne lui permission. Et un médicament qui est haram, il fait avec la drogue, par exemple, il fait avec l'opium, haram. Mais seulement, dimon là, sur la vie en danger. Pour lui pas mort, il a un droit, pense à un médicament. L'in fait, ça, c'est au niveau individuel, au niveau de l'État. Allah fin sharia fin faire obligatoire le ban l'état pour donner ban mécanisme pour mettre ban système pour faire du monde vivre. Par exemple, un l'état que du monde peine à travailler, du monde peine à manger, du monde peine à boire.
ça dit mon ça ban dit mon qui peut occuper ça l'état là je te fautif je peux bien répondre vous avez Allah subhanahu dit mon dans chômage paix dans sécurité alors l'état sous responsabilité mettre la police là mettre un système judiciaire là et n'a beaucoup beaucoup pour expliquer là mais mon pensée je t'en comprends ce qui vient comprendre là-dedans et n'a pas quelque chose qui l'état il empêche il y a quelque chose qui charia fin faire haram et n'a pas nous pas comprendre qui fait faire haram mais nous bien comprendre par exemple calomnier un dit mon mais vous pouvez atteindre à quelque chose qui est sacré pour lui, il y a trois quelque chose qui est sacré pour un dimon. Les mêmes sur l'écho, sur l'intégrité physique, sur l'honneur, avec ce dit bien. Ça va nous faire là, sacré ça. Donc l'État bien préserve ça va nous quelque chose là. Si un dimon peut venir pour atteindre un dimon sur dit bien, peut venir coquin, l'État bien trappe ça dimon là. Un dimon peut venir faire calomnie, peut venir insulter un autre dimon, l'État bien trappé, tout ça là, c'est pas une affaire importante. Un dimon pas capable de vivre sans dignité. Donc l'État bien veillé à tout ça, avant quelque chose là, à ce que tout ça, avant quelque chose là, je te sauvegarde. Le chariat fin aussi donne pas une facilité. Et n'a pas une obligation, par exemple, nous fin trop une obligation dans din. Mais seulement quand ça, une obligation là, il vient un danger pour dimon, alors le chariat donne facilité. Par exemple, un dimon, s'il est pour garder rosa sur la vie pour en danger, sur la santé pour détériorer. Mais là, pour un dimon, faman kan aminkum maridan ou ala safa, c'est lui parmi eux qui est malade, ou soit en voyage, qui a une affaire très difficile. Alors, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Alors, il y a pas garder sur rosa dans les autres jours, ou soit il donne fidia s'il n'est pas capable. Donc, il y a une facilité qui, le sharia donne nous, pour sauvegarder la vie, pour sauvegarder la santé. Manjimon. Et le sharia fin fait haram tout djimon. Hein? L'objectif qui était, c'est préserver la vie djimon. Donc les haram pour tout djimon. Alors là, nous dénonçons manjimon qui au nom de l'islam qui a tué les autres. Attention. Le fin causé est allé là dans qui circonstances nous prenons hommes. Hein? C'est un cas bien spécifique ça. Mais pour oui ou non, ben si pas dit hadith tout ça là, attention, pas nous charia ça. L'ISIS, hein, Daesh, les contrer à charia. Ça ben là, si tu es dans l'État islamique, tu peux prendre un homme contre ça. Alors tout le monde les haram. Allah subhanahu wa taala dit voilà, taqtulu anfusakum, n'a pas tué ben dimon, n'a pas tué eux même. Inna Allah kana bikum rahima, certainement Allah subhanahu wa ta'ala inna raham kuzat. Quran dit à nous, et ça, ben non musulmans, bien entendez, bien comprend. Man qatala nafsan bi ghayri nafsin ou fasadin. C'est lui qui fin tout un dimon sans une raison, ça veut dire sans qu'il y mérite, par exemple, sans qu'il dit même y a un criminel. Et la fois l'État islamique, bien tranché, un criminel, bien exécute lui. Ou fasadin, ou soit un dimon qui fin faire façade, par exemple, un dimon, un baron la drogue. Il peut finir la société, il peut tout le monde, il peut craser la famille à cause de la drogue. Alors, il peut exécuter en public ça. Mais sinon, c'est lui qui finit tout le monde innocent. L'eau, la terre, faka annama, katalanna, sa jamia. Quran, djanou, comment dire, il finit tout l'humanité en entier. Tout le monde, comment dire, il finit tout le monde, l'eau, la terre. Ou aman ahyaha, mais par contre, c'est lui qui finit faire le monde vivre, il finit sauver la vie du monde. Faka'annama ahyanna sa jamia. Comment dire, il finit sauve toute l'humanité. Allah, ce qui nous dit, à nous, concernant la vie du monde. Alors, arrête d'appeler nous terroristes. Nous, les contraires terrorisme. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, wala taqtulu nafsa allati haram Allahu illa bilhaq. N'a pas tué, du monde, ça quelque chose qui Allah fait, ça, nafs qui Allah finit faire haram, là. N'a pas tué, lui, n'a pas touché, lui. Excepté par droit. Par droit, ça veut dire si il mérite la mort, la peine capitale. Talen ou bin lola. Alors, celui qui finit tout, il y a un mu'min, muta'ammidan, comme ayat Quran dit, pas exprès. Alors, fajaza ouhu, qui sa récompense, sa punition, jahannam. Khalidan fiha, éternellement, il pourrait se faire. Wa radib Allahu alayhi, Allah prend colère avec lui. Wa la'anahu, Allah voit la'anat loli. Wa a'adda lahu azaban azima, et il prépare pour lui un grand, grand châtiment, une grande, grande punition. Et pour préserver la vie, là, nous bien comprenons bien, mon frère. Aoujab al-qisas. Allah fin fait wajib, obligatoire al-qisas. Al-qisas, qui était ça, c'est qui nous traduit par la peine capitale. Là, nous, ben, l'ennemi, nous, ben, détracteur, je t'attaque nous beaucoup, là. Je t'appelle nous, barbare. Parce que, dans l'État islamique,
Mais Dimon là, là, saute sur l'icou en public. Appelle Dimon. Il y a certains pays encore pratiquent ça. Pendili en public. Saute sur l'icou en public. Un Dimon, un coquin, saute sur la main. Il y a un coquin, saute l'autre la main. Un kafir, il y a ça, il y a religion là, man bobo, ça. Man rétrograde, ça. Non. Là-dedans, même dans la vie. C'est moi, je ne peux pas comprendre. Alors, comment nous finissons trouver commencement, ayat Quran, motricité. Allah subhanahu wa ta'ala dit au bandi moun kena iman, istajibu lillah, répond à Allah et à son rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelle zot, idha da'akum lima yuhyikum, le verbe en quelque chose qui fait zot vivre, là-dedans et dans la vie là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa lakum fil qisasi hayatun, dans qisas, dans la peine capitale, et dans hayat, et dans la vie pour zot là-dedans. Allah dit, ya ulil albab, ô bandimoun qui a l'intelligence, servez-vous l'intelligence pour trouver. Pas barbarie ça, il y a la vie là-dedans. C'est même qui disait, la allakum tattaqoun, afin qu'ils aient gagné taqwa. Allah finit instituer ça pour nous. Ya ayyuhalladina amanu, ô bandimoun qui a iman. Kutiba alaykum al-qisas. Allah finit prescrire, obligatoire pour nous ça, al-qisas. Fil qatl là-dedans, ban crime. Alors, qui manière? Nous reprenons l'exemple, ça baron, la drogue là. Ça dit monde qui, il peut enrichir, il peut gagner par milliards. Il peut vendre la drogue avec du monde. Il peut finir la vie du monde. Il peut finir l'avenir du monde. Il peut finir la jeunesse. Il peut détruire ma famille. Il peut faire mes enfants vivre au félin, ma madame vivre veuve. Il peut faire du monde à le pourrir dans la prison. Il peut pourrir la vie du monde. Il peut tuer du monde tous les jours. Il peut tuer les enfants du monde tous les jours pour les vivre riche. Ça. Ça dit mon là qui vous fait avec lui. Fait comment dire aux enfants là-dedans. Moi dit man doit qui Allah les protège nos mes enfants. Mais faut pas tout le temps nous dire existe ban les autres qui a attention hein. Faut pas nous dire tout le temps existe ban les autres ou pas connaît que ça la drogue là vini ou avoir aux enfants l'école ou pas connaît son camarade à côté lui parce moi mon témoigner en des élèves l'école. Moi t'en une conversation. Un là peut expliquer l'autre là dit qu'il est naïf. Ça ne l'a pas expliqué et tu connais telles affaires que tu fumais. Tu gagnes telle sensation. Ça, l'autre là, avant mal dormi, m'a fumé. L'autre là, l'autre là, écoutez. Pauvres enfants, sur la, sur parents, avant venu l'école. Exposition qu'il y a là. Ça baron la drogue là, lui. Qui vous fait, lui, là? On met lui dans une prison. Alors, ben, dis monde qui peut, contre, qui peut, ben, détracteur. Je vous dis, non, on prend lui. Pas tuer lui. Met lui dans une prison. Dans la prison, qu'il fait? Il fait ce business plus bien encore, parce qu'il est en sécurité là, lui. Comme il est, travail, faire prison, ban God, prison même, ban dans l'autorité même. Je te dis qui beaucoup de travail peut faire depuis dans prison. Mais vous prenez nous pas imbéciles, ça coule. Prends mon argent en tant qu'il contribuable. Moi qui peux travailler tous les jours, peux payer gros taxes. Prends sa taxe là, elle nourrit sa démon là dans prison pour qu'il y fasse ce travail plus bien encore. L'islam qui dit où? Mettez-le en public là, appelle tout le monde. Saute sur les coups devant le monde. Fais-vous penser? Avant qu'ils vous décident pour rentrer dans la drogue, qu'est-ce qu'ils nous pouvaient faire avec eux? La allakum tattaqoun, comment nous trouver dans l'ayat Quran, pour qu'ils aient gagné taqwa. Alguien de la société qui est dans ça, vous trouvez. Bon, bien sûr, il y a, pour faire une parenthèse, là, il y a le système judiciaire. Il faut des judiciaires, là, il est correct, hein. Bon, il dépend de l'État islamique. Il y a fois, certaines sociétés pas capables de faire ça parce qu'ils société-là pourrit en bas jusqu'à là-haut. Sur la police, sur les judiciaires, sur l'avocat, sur les juges, tout est pourri. L'idée est vaut mieux, dans la place qui m'a tué, ben, innocent, vaut mieux, on va tuer personne. Ok, c'est une autre histoire, ça. Mais seulement attention, comment, pour en dire, al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Ça des autres, qui ça dit mon affaire, les pires, qui ça tuerie, qui pourrait en aller. Vaut mieux, ou tout est tranquille, tout dit mon coup tranquille. Ou laisse les vivants, ça des autres qui les pour faire là, extraordinaire. Ça, c'est un exemple, on prend un baron, la drogue. Alors, imagine, ça dit, moun qui peut coquin, qui peut aller, là. Un dit, moun, il peut gagner faim, l'in coquin, un dit pain. Ça dit, moun, là, pas saute sur la mer. Définitivement. Non, nous, cause, ben, vous connaissez, voler, là. Et n'a pas qu'au guet, ou pas tout voler, ou tout, un dit, moun qui peut faire donation, à droite, à gauche, c'est mal, dans un coquin qui peut faire donation. Il peut coquin pour un million. Ça dit, moun, là, bien saute sur la mer. Comment saute, ben, la mer, nous guetter, c'est pas dit, moun, pour coquin encore. Alors, nous trouver dans une société qui n'implémente ça, du monde, c'est tranquille. Dans Makkah, Madina, du monde là, l'in quitte ce, magasin, l'in a fait namaz, tout souvent là, la personne pas pour mettre la main là, pour coquin. Madame là, moi, c'est tranquille, personne pas pour ose mettre la main là, parce que la loi stricte. Et,
et na jihad bien sûr envers ban malfaiteur et na fois li pas autant facile pour mettre la main au sala baron la drogue là pour exécuter li et na fois li protégé par un l'armée ou bien en un l'armée pour capable la guerre contre sa mafia là. L'état islamique li institué jihad pour la guerre contre ban malfaiteur comme ça. Moi prend l'exemple la drogue là, mais il y en a beaucoup encore l'exemple qui nous capable prendre dépendant de ban société. Et le sharia li fait faraz aussi le ban dimon pour sauver la vie en l'autre dimon. Ça veut dire li pas une option ça. Un dimon en danger, un dimon en difficulté, ou obligé de li si ou capable. Si ou pas capable, ou pas capable. Ou peut rouler, ou tout un l'auto fait accident, un dimon est blessé. Ou continue de rouler ou fautif. La loi Maurice pas trapou. C'est non-assistance à personne en danger, c'est un délit. Mais Sharia condamne nous là-dedans. Là. Ou bizarre, arrêtez à le guetter qui vous a fait pour lui. Parce qu'il n'est pas supposé rester insensible. Donc, préserve Bandimoun. Ça amène nous au troisième élément, Hifd al-Aql. Troisième quelque chose essentiel qui nous vient préserver, qui Sharia a préservé, c'est al-Aql, l'intelligence, l'intellect, le raisonnement. C'est ça même quelque chose qui donne karam, donne l'honneur, grandeur à Banu Adam, les enfants Adam, insan, ashraful makhlouqat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, walaqad karamna Bani Adam. Nous finissons faire karam, nous finissons donner honneur, statut à Banu Adam. Premier quelque chose qui a dit mon bizin pour lui amener l'iman, c'est ça, la raison, l'intellect. Pour qu'il reconnaisse sa première, avant nous te dire, pour lui reconnaître Allah comme son Rab, les bizin sur raisonnement. Alors, l'islam fin prend intellect, fin prend la raison, fin donne lien grand place. Alors chaque fois nous dire, eh musulman, qu'on valeur ce qui te dans la tête, dans le cœur. Allah fin donne ça beaucoup valeur. N'a pas prend li, mette li dans la poussière toi. N'a pas dépense ton intellect dans une place qui est inutile. N'a pas le perdu ton temps avec ton attention dans une affaire inutile. N'a pas laissé Bandimoun hijack de l'intelligence. Nous, l'intelligence, li libre. Allah fin donne nous l'intelligence et fin donne nous liberté. Et Allah lui-même lui dit, est-ce que je n'ai pas réfléchi? Eh, mon banda, get ça, get la terre, get les ciels, get ça, réfléchis. Allah lui-même lui dit à nous, et n'a pas signe, réfléchis. C'est moi, nous qui nous peut faire? Nous peut prendre ça à l'intellect là, nous peut faire lui dormir. Ou soit nous peut noyer lui dans quelque chose qui fausse. Allô? Ban quelque chose qui vient un danger pour ça l'intelligence là, ban quelque chose qui vient un moyen pour empêcher nous servir nous l'intelligence, ça ban quelque chose là, sharia dit li haram, attention, pas toucher, reste loin. Parmi là-dedans, il y a ban stupéfiant, ban intoxicant, al-khamr, la boisson alcoolique, il y a la drogue, qui fait li haram, tout ça là. Parce qu'il y a affecté nous l'intelligence. Quand un djimoun là-dedans, alors il n'est plus qu'à penser. Un musulman, il est bizarre, il a sur l'intelligence avec lui 24 heures ou 24, excepté quand il peut dormir. Sinon, il est bizarre là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam, rijsum min amali shaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Au ban djimoun qui a iman, certainement, al-khamr. Khamr ici, il y a djimoun traduit à l'ibar divin, mais c'est tout ban la boisson alcoolique et tout ban stupéfiant. Nous quand même mettre la drogue aussi là-dedans. Et certains ban les autres, quelque chose mauvais qui mentionnait encore, rizisum min amali shaitan. C'est un des ban pièces de travail shaitan, ça. Fajitanibou, reste loin depuis ça. La Allah kum tuflihoun, afin qu'ils aient fait succès. Donc, l'islam, pour faire tout ça là, vin haram. Et là, l'islam, tout le temps, fin montrer nous, route ban preuve pour ban quelque chose. Quand on a ban quelque chose qui peut venir challenge nous route burhan. Comme Allah dit dans le Coran, amit takhadu min dounihi aliha, est-ce qu'ils ont pas le prendre, ban les autres bon Dieu apporte Allah? Allô? Qul hatu burhanakum. Amenez-nous preuve. Vous pouvez trouver que vous pouvez bien prier l'autel, un tel, bien prier soleil, la ligne, prier rose, prier statue. Ok? Amenez-nous preuve. Ou pour qu'on convainque moi qui ça peut faire ou dit bien. Moi, mon cas convaincu qui, quand on prie Allah, ça même si m'est là, ça. Nous n'en nous prêts. Et là, Shah Waliullah Ad-Dahlawi, Rahmatullahi alayhi, un grand alim qui vit dans l'Inde, quelques siècles de cela, il finit d'écrire un livre extraordinaire. Hujjatullahi al-Baligha. Allah se prêve qui est clair.
Alors là-dedans, ils mettent beaucoup de preuves, beaucoup de quelque chose. Comment dire, toutes les questions qui ont été capables de venir à l'ordine, à Allah, à la religion. Quelle manière l'islam, c'est la vérité. Alors ils compilent tout ça là-dedans. C'est un livre extraordinaire. Il y a sa traduction en anglais. Et il y a une madame qui traduit ça, sa madame-là. Quand elle finit de traduire ce livre-là, elle finit d'accepter l'islam. Hujjatullahi al-Baligha. Donc, l'islam tout le temps finit de montrer nous amen hujja, amen preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amen cette preuve si vraiment je te cause vrai. Alors nous avons tous nos bonnes preuves. Et l'islam tout le temps finit de mettre de l'avant la connaissance. Bandi moun qui connaît, bandi moun qui est intelligent. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Qu'est-ce qui ban qui je paie Allah bi beaucoup je tena khashia pour Allah bi beaucoup c'est ban ulama ban djimoun qui connaît ban djimoun qui a la connaissance et l'islam fin montre nous rasoul sallallahu alayhi wa sallam Allah fin donne l'autre dans le Coran wa qul jiya rabbi zidni ilma oh rab augmente ma connaissance Allah fin augmente Allah fin élève makanatul aql l'intelligence ce statut ce valeur Allah fin donne beaucoup valeur. Allah dit fabashir ibad donne bonne nouvelle à mon banda qui s'en lasa banjimun ki alladina yastami'una alqawla zettan la parole Quran fa yattabi'una ahsanahu et je suis ulaika alladina hadahumullah sa banjimun la même qui Allah fin gidzot wa ulaika hum ulul albab c'est sa banjimun là qui doué d'intelligence c'est sa banjimun là qui a raisonnement. Donc il y a encore beaucoup ban ayat Quran Allah dit hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun est-ce que djimoun qui connaît et djimoun qui pas connaît pareil ça innama yatadhakkaru ulul albab saisis ban djimoun qui a l'intelligence qui pour rappel donc ça fait nous pense beaucoup et l'islam tout le temps il fait nous il encourage nous charia il encourage nous quoi dans ban recherche qui est un fruit là-dedans et un bénéfice pour nous là-dedans et pour ban les autres djimoun là-dedans. Quatrième quelque chose qui nous préservait, c'est An-Nasl. An-Nasl veut dire la généalogie, ça veut dire la progéniture, ça veut dire un djimoun sur famille. Un djimoun, il y en a parents, grands-parents et il y en a enfants. Ça veut dire ça lien sacré qui est là entre parents et enfants là, donc il inclut aussi ça lien sacré qui est là entre monsieur et madame. Parce qu'il faut des maman, papa, monsieur, madame pour les enfants. Alors, Livin. Ça, il vient autour de la famille. Et ça, comme on expliquait au commencement, c'est important pour préservation, pour la survie de la race humaine. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sharia, finit instituer ça. Sharia finit instituer az-zawaj, le mariage, nika, comme une affaire sacrée, comme une base de la société. Si peine nika, tout dégringolé. À commencer par les affaires sociales. Les là, ban les autres, domaine de la vie pour dégringoler ou que ban société que le mariage fin banalisé. Mo retourne lo LGBT, lo l'homosexualité, l'ivin fini le mariage. Aujourd'hui pour un same sex marriage, ça ban société là peut fini ça. Et dans quelque chose qui vient contre ça, c'est zina. Et là, nous besoin musulmans besoin bien comprendre. Et dans beaucoup de questions qui viennent concernant zina, surtout lo ban jeune, depuis ban jeune. L'islam, la charia, est bien strict concernant zina. Comme on peut dire zina, c'est l'adultère, la fornication. Oui. Relation intime, sexuelle, qui est entre monsieur, madame, entre garçon, entre fille. Mais pas juste ça. Allah dit, voilà, taqrabu az-zina. N'a pas costé avec zina. Donc, ban quelque chose qui amène vers zina, l'islam est sévère là aussi. Par exemple, ben, les autres se vous disent, ok, pas reste sexuellement active, ainsi de suite, mais seulement je t'arrête là. Ben, les autres quelque chose, je ne pas dire non, rien là. L'islam, charia, l'ivin diaou, même ziska, pas tous, madame là. Et là, ben, quelque chose bien spécifique et bien strict, l'eau relation entre mahram avec rare mahram. Ça veut dire un monsieur et là, ben, madame pour lesquels les mahram, qui n'ont pas un droit marié avec eux, tous les restes madame, eux mahram, ça veut dire eux haram pour les. Haram, ça veut dire, aussi longtemps qu'il peine un nikah en zot, les haram pour les tous ban là, pour les get ban là, avec un rigor sensuel, ou, en a, khalwa, en a encore ban différent, ban, masail, ban masala, qui, haram pour sa monsieur là. Madame là aussi pareil, en a ban monsieur qui a mahram pour lui, mais apporte sa man monsieur là, comme à son papa, son frère, son gosse, son monsieur.
apporte sa man misye la, tout man misye haram pour lui. Sharia est strict l'eau là. Alors, je n'ai pas pour poser question, modine, il empêche moi les vrais gars pour être madame, pour être tifi. Moi, tout un joli tifi peut passer, moi pas gagner droit d'être lui. Tifi là, il trouve un joli garçon peut passer, il pas gagner droit d'être lui. Moi pas gagner droit tous lui. Moi pas gagner droit assis à côté, collé avec lui. Moi pas gagner droit faire camarade avec lui, pour chat avec lui, pour avoir un message, pour faire vidéo call, tout ça là, non. Copain, copine, tout ça là, pas gagner droit. Je ne peux pas droit passer un petit temps avec lui. Non, mais nous ne pouvons pas dire une badine là. Nous ne pouvons pas mourir, nous. Nous ne pouvons pas passer un temps. Chacun est dans sa copine, chacun est dans son père. Je ne peux pas faire un risque comme ça. Hein. L'islam cancel tout ça là. Je ne sais pas poser la question. Eh, ça a été difficile là. Non. Et dans la vie pour nous là. Ça même commencement précipice là. Là. Quand vous pouvez mettre les pieds derrière un rose. Vous ne connaissez pas qu'une fois, ça même dernier pas qui vous fait là. Après, vous tombez dans le précipice. Je ne vais pas prendre le temps dans le détail, hein, une dizaine arrive tard. Mais j'ai envie de nous comprendre les affaires. Qui fait le charia sévère, strict l'eau là? Ben, un jeune, bien comprend. Nous prenons une petite fille, une jeune petite fille avec un jeune garçon, je suis content, ou soit je suis envie de faire de la route ensemble. Alors, kafir, société libertin qui est là, société corrompue qui est là, avec ce ban média, ce ban feuilleton, ce ban film, ce ban... Par tout moyen qui possible, à travers l'école, tout ça là, montrez-lui correct ça. Tu as un droit d'embrasser un petit, tu as un droit de trapper cela, mais tu as un droit de sortir avec lui, aller au cinéma, sortir à l'école là. Pas qu'un droit, copain, copine, pas un problème ça. Alors qui, dans la case musulmane, parents là, lui, pour que ça travers, non, pas qu'un droit, haram, qui fait ça. Allez, nous comprenons un petit. Sa garçon là, les trappes qui fait là, après, comment, et dans sa premier contact physique là, où sa fille là, il n'est pas pareil. Il y a quelque chose, il y a un changement drastique qui est arrivé dans son épaule. Il y a une réaction chimique dans son épaule. Il n'est pas pour être pareil. Tu fais là ce sentiment pour changer. Quand on a tapé badine badine, il y a un autre port là, tout. Tu fais là ce sentiment pour changer. Tu fais là commence à venir attaché, à venir dépendant. Là, nous commençons à avoir un problème familial, nous commençons à avoir un problème social là. Vous connaissez quand il est amoureux là, problème là. Quand il a embrassé premier coup là. Il est difficile pour empêcher les autres de sortir, comment dire, il y a une lapente glissante qui est direct vers Zina. Quand il a fait Zina, sa tifila n'est plus pareil. Son l'écho n'est plus pareil. Son mentalité n'est plus pareil. Socialement, il n'est pas même Dimoun. Attention. Un Dimoun, un tifi qui finit une relation une première fois, nous dit qu'il n'est plus vierge. Socialement, il n'est plus du monde pas pour être avec même regard. Jamais encore. Comment nous, on a habitué à dire, ce isat fini aller. Chimiquement, dans ce l'écho n'est plus pareil. Ce ban hormone n'est plus fonctionne pareil. Et il y a une quelque chose qui est capable d'arriver, c'est qui, sa tifila, est capable d'homme enceinte. Un enfant pour nous. Qui peut arriver là, c'est-à-dire? Qui s'en là pour prendre sa responsabilité là? Responsabilité, ses enfants là. Responsable, même si ben, les enfants, responsabilité, sa petite fille qui fait une métamorphose là. Son parent n'est plus connu qui peut faire lui à ce terme. Qui s'en là pour prendre sa responsabilité là? Bizarre, un dimon, charia, dire, obligé, un dimon, capable, pour prendre sa responsabilité là. Les poubizins répondent, divan Allah et divan ben dimon. Donc, à cause de ça, le dire, garçon là, avant qu'il ou tous sa petite fille là, djibouté comme un missier, divan Allah, divan satifila aux parents, divan en l'assemblée, dans une institution qui appelle Nika, prend l'engagement, qui tout ce qui est arrivé à cette terre, mon responsable. Changement qui est là, tifila sur ban need, sur ban requirement, j'enfant pour ne, moi mon responsable. Vin dire ça, divan société et divan Allah. L'air là, ou prend tifila, ou aller, ou tous li, ou faire ce qu'ils ont envie. N'a pas vu une badiner avec les enfants du monde. N'a pas trap tu fais du monde, tous tu fais du monde. Après ça, ou sauver ou aller ou pas prendre responsabilité. Si y a une société construite alors là, côte poena, ça mal propre qui vous trouvez autour là côte poena. Dans l'Europe, dans la société occidentale, vous connaissez combien single parents et là, combien d'enfants par contre de parents qui quand c'était pourcentage, dans certaines sociétés jusqu'à 40-50% ben des enfants par contre de parents pas vivre ensemble avec de papa. Ou ça peut vivre dans un home. Une dégradation sociale. Sharia, dit ou non. Ou contentifie là. Avant qu'il touche lui, prends l'engagement devant tout. Amène au rôle. Pas vine badiner, vine sérieux.
Et après, bien sûr, Sharia, Sami'ana wa Ata'ana, Allah nous donne l'autre. Là-dedans, il y a un test pour nous, là-dedans. Un moyen pour nous gagner sa wabs. En même temps, nous protège nous-mêmes, nous préserve nous-mêmes. Et il y a beaucoup encore dans les autres raisons. Ça, c'est une raison, à un moment donné. Il y a encore beaucoup dans les autres raisons de quoi vous gagnez l'occasion rentre dans un détail. Allah subhanahu wa ta'ala, ce Sharia, fin mettre responsabilité, le chacun là-dedans, le papa, le maman, les enfants. كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته. Attention, chacun parmi vous, une façon de comprendre, Allah dit, chacun parmi vous pour retourner vers moi et pour venir rendre compte. Toi, papa, tu pour venir rendre compte en tant que papa. Maman, pour venir rendre compte en tant que maman. Chef d'État, président, ministre, imam, tout, besoin de venir rendre compte de sa rôle qui se fait prendre là. Elle est là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sharia, fin, institué. Comment dire, fin mettre wajib pour nous, responsabilité pour mettre dans le système l'éducation, pour mettre dans le système subsistance pour soutenir une famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, fin faire haram, zina, avec tout quelque chose qui amène vers zina. Et dernier, parmi quelque chose qui nous charrie à protéger, c'est al-mal, du bien du monde, propriété du monde. Ça veut dire sur l'argent, avec tout quelque chose qu'il y possédait. Ça, c'est un quelque chose sacré. Si un dimon n'est pas pour un entitlement, le se dit bien, alors ce dimon n'est pas pour capable vivre. Comment il peut vivre? Il peut manger pour manger, il peut avoir la casse pour dépenser, il peut avoir la case. Ou soit un dimon peut faire dominer le lit. Tout ce qui dit travail, le dimon peut prendre et aller. Donc, il n'est pas pour capable vivre. Alors, Sharia vient, il protège tout ça là, il préserve tout ça là. Obligatoire, le dimon pour travailler, pour y aller au risque. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le surah Mulk nous tendait tous les jours, « Hu alladhi » جعل لكم الارض ذلولا c'est lui-même Allah qui fait faire la terre pour vous ذلولا comme dire fin assujetti la terre fin mettre la terre à votre service famshu fi manakibha et marcher donc voyager aller al tracer dans tout coin la terre wa kulu min rizqi et manger de ce qui Allah fin donne donc aller al travail al rod votre risque comme Allah dit dans sourate Jumma fa idha qudiyat as-salat quand namaz fini fantashiru fil ard et pas piller l'eau la terre, wabtahu min fadlillah, al-rud Allah, so ban fadl, so ban faveur. Et donc, al-amal, travail, qui en dit mon ena, travail, qui en dit mon faire, Allah subhanahu wa ta'ala, fin élève ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ma akala ahadun ta'aman qattu khayran, en dit mon, li pa mange, meilleur manger, qui, amila yadahu, un manger qui lui fait gagner par ce qui se lame et travail. Comme dit Kozé, il mange le fruit de sur la sueur. Même si c'est un bout de pain sec, ou soit un tam, ou soit un verre de l'eau, il travaille, il gagne juste ça. C'est même meilleur manger qu'il a mangé. Qui un plat brillant qu'il a gagné en charité. Sa tam qu'il a gagné, il a tracé pour lui manger. Sa petit pain sec, qui, quand il travaille, il gagne là, il est meilleur pour lui. Qui ça? La brillante qui l'a gagné en charité là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous valeur, il dit mon travail, sur la sueur. Wa inna nabi Allah, Daoud, kana yakulu min amali yadi. Il dit, nabi Allah, Allah, ce prophète Daoud alayhi wa sallam, qui s'en là ça? Le roi Daoud. Tiens, les rois, les Banu Israël. C'est moi, les pas tu fais manger pour moi, les rois. Les types de travail, c'est qu'il y gagne, il mange. C'est une Daoud, alayhi salam, il y a beaucoup de affaires, il peut faire bien. Rasoul Zassam, il prend son exemple. Par exemple, ce rosa qu'il peut garder. Ce ibadat qu'il peut faire. Il dit, nous faire comment lui? Un jour garder, un jour quitter, un jour garder, un jour quitter. Donc, il peut travailler avec cela même. Et il finit faire obligatoire, Sharia finit faire obligatoire, l'État, pour donner une facilité, pour mettre un système, pour qu'il dit, mon gain, sentir en sécurité dans votre dit bien. Un dimon est dans la case, il y en a la terre, il y en a l'auto, il y en a du bien, il y en a sur l'argent. Alors, les bisins dans l'État, l'État sous responsabilité, c'est donner sécurité à ce dimon-là de ce du bien, de sa propriété. Pas capable, dimon n'est venu, n'est capable, capable, un dimon, l'État pas fait rien. Donc, les obligations de l'État pour faire ça, ça, charia, c'est injonction. Et comment nous connaît, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dire, donne un dimon sur la paye avant qu'il soit transpiration sec. Ça veut dire attention. Dimon mérite quelque chose, donne-lui ce qu'il mérite. N'a pas tordé, n'a pas retenu à Dimon, n'a pas gardé du bien Dimon, n'a pas capoté du bien Dimon. L'in travaille pour vous, il mérite l'argent,
l'entente qui finit là en tout avec lui, donne-lui sa lose, on n'en a pas besoin d'entendre. Avant qu'il soit transpiration, c'est un kinaï, c'est une façon posée. Et Sharia fin met beaucoup de précision dans façon qui nous gagne droit, gagne nous l'argent et dépense nous l'argent. Ça veut dire, nous pas capables d'acquérir l'argent pour n'importe qui façon. Et nous pas capables de dépenser dans n'importe qui façon. Sharia bien spécifique là-dedans, les plis élaborés qui ban système financier qui nous en a aujourd'hui. Nous en a par exemple le capitalisme. Un système bien injuste. Nous pouvons vivre là-dedans. Nous pouvons vivre là-dedans, moi avec vous. Mais nous connaissons qui quantité de l'injuste avec ce système, l'intérêt, tout ça là. Ce qui risque, c'est une plus risque. Ce qui misère, une plus misère. Et nous connaissons tout le temps, il y a un mandimoun qui crase. Tout le temps, il y a exploitation. Tout le temps, il y a l'usure. Accaparement, on dit bien. Ben, la banque qui peut faire. L'islam aussi, il y a ce système financier. L'islam, ce système, il n'est pas fait, il est juste. Islamic finance. Pour tout capable, il y a une transaction halal, et là, la société-là, elle est avancée dans la justice, sans qu'il y ait de corruption, sans qu'il y ait de monde qui est exploité, sans qu'il y ait de monde qui sont écrasés, opprimés financièrement, économiquement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah fin fait halal business, commerce, et il fin fait haram riba, l'usure. Ce qu'ils nous appellent l'intérêt. Alors, nous connaissons l'intérêt haram. Alors, nous pas gagnons droit, rentre dans aucune transaction, côté ena l'intérêt là-dedans. Sharia, bien strict là-dedans. Les pires qu'ils y n'ont. Qui celle-là qui pas gagnons droit? Pas juste prend l'intérêt, non. Al-Akhir, c'est lui qui prend l'intérêt. Al-Murtui, c'est lui qui paye l'intérêt. Ça veut dire, nous pas gagnons droit, prend casse prêté, retourner, paye l'intérêt. Ça aussi haram. Ena al-Katib, c'est lui qui écrit contrat là, quand sa transaction, l'intérêt là peut faire, ça dit, on qui peut écrire sa contrat là. Lui aussi, les sportifs pareil là-dedans. Donc, attention, là-dedans, trouver une finie, élimine un système bancaire qui est injuste, tout ça là. Et à Shahid, c'est lui qui dit, vous témoin pour ça. Emprunt qui peut faire là pour sa transaction là. Tout ça là, haram là-dedans. Donc, système, l'intérêt là, même les haram, quand on peut implémenter Islamic Finance, sa base, l'intérêt, l'usure qui est injuste, là, il est bien écrasé, il est bien arrivé. Alors, Moussalman, lui, d'accord, nous pouvons vivre dans un système capitaliste, nous devons faire beaucoup attention. Pas pour un oui, pour un non, on va le prendre l'aune. Ou connaît, on peut prendre l'argent, ou pour payer l'intérêt, ou connaît, on peut participer dans l'intérêt. Attention. Elle prend un bon renseignement. Elle guette un dimon qui connaît dans Sharia. Elle dit, est-ce qu'il est halal, ça? Donc, Sharia, li bien strict l'eau, ben façon que nous gagnons l'argent, est-ce qu'il sa business là, li halal, li bien élaboré, hein. Qui manière mon gagne mon l'argent et qui manière mon dépense mon l'argent. Mon pas capable gagne mon l'argent n'importe qui façon, li bien halal, et mon pas capable dépense mon l'argent n'importe qui façon, mon besoin rendre compte pour ça. Allah dit, voilà, ta'koulou amwalakum bainakum bil batil, et n'a pas mangé, dit bien parmi eux dans batil, dans la fausseté. Je t'envie, l'argent, c'est qu'il est en zot, alors, faire business, faire commerce, c'est ça qui est halal. Sharia, fin bien sévère, alors, ban dimon qui fait ban fraude, par exemple, nous trouvons, c'est lui qui coquin, qui fait avec lui, coupe sur la main. Et nous trouvons qui, il y a trois quelque chose qui est haram, qui est sacré pour un musulman. Lui-même, sur l'écho, se dit bien, donc, il est sacré, ou pas gagne droit, tous dit bien, dimon, il est sacré, ça, et sur l'honneur, pas gagne droit, cause mauvais, porte atteinte à la réputation et l'honneur d'un parce qu'il est sacré, ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait assez sévère contre gaspillage. Sharia empêche-nous faire gaspillage. Quran, dit-nous, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Quran, voilà, tu badzir tabzira, n'a pas fait gaspillage. Inna al-mubadzirina kanu ikhwan al-shayatin. Certainement, ban qui fait gaspillage, je te frère avec ban shaytan. Si vous faites gaspillage, vous êtes frère avec Satan. Donc, gaspillage, c'est un des quelque chose qui peut finir nous aujourd'hui. Dans nos sociétés, nous pouvons vivre dans une société, l'excès et gaspillage. Combien de ressources peut gaspiller? Alors qu'il y a des gens qui peuvent mourir sans manger, et n'a pas de manger, peut gaspiller. Et un musulman peut gaspiller manger dans sur la case, sur la table. Alors qu'il y a son voisin qui peut manger. Donc, tout ça là, Sharia, il amène l'équilibre là-dedans. Moi, tu causes longuement, là, une fois, je fais du mal, donc, si tu as l'occasion, écoute un petit peu, là. Tout ça, man, quelque chose, là, un par un, si nous pouvons prendre en ligne, nous pouvons développer, nous pouvons venir en baillant complète dans
lui-même. Et il y a une institution qui charia mettait comme Baytul Mal ainsi de suite pour prendre compte Banjimoun qui est financièrement faible. Banjimoun misère, ban orphelin, ban veuve, surtout ban orphelin, par exemple un orphelin sous parent quitte l'argent pour lui, il est petit, il n'est pas capable de manager ça l'argent là. Alors les responsabilités, les wajib de la société pour prendre ça l'argent là et pour sauvegarder ça pour lui, pour donner ça l'argent là. Pareil pour sauvegarder l'intérêt ban du monde vulnérable, ban madame veuve. Pension par exemple, musulman qui a institué ça, pension ban vieux. C'est l'État islamique qui a institué ça. Pension pour ban du monde qui est démuni, pour ban du monde qui a besoin d'assistance. Welfare state, c'est musulman qui a institué ça. C'est l'État islamique qui a institué ça. Et investissement, nous charia tout le temps, lui recommande, lui encourage l'investissement. Et tout le temps, il décourage, ramasse l'argent. L'argent, il comme on dit, fumier, ça, quand on entasse ensemble, il gagne l'odeur. Mais quand ça aime fumier là, quand on fanne partout, il fait la terre, il fait une jolie, jolie plante, sortie là-dedans. Alors, l'argent, bizarre, réinvestit tout le temps. Business, bizarre, roulé. Ça dit, monde qui est riche là, quand il ramasse ce l'argent, résiste pour lui. Ça dit, monde qui est misère là, il reste pour ça même. Mais quand il prend ce l'argent, il investit. Qui peut arriver, lui? Il peut gagner encore, il peut être riche, Inch'Allah. Il fait business. Mais quand il peut faire sa business là, c'est pas juste, il pense bien, c'est pas juste qu'il peut être riche. À chaque fois qu'il fait business, il fait sa niette là. Je peux faire business pour me gagner l'argent, Inch'Allah, là, pour donner ma bénédiction. Mais en même temps, quand je peux réinvestir mon argent, ça l'argent là, peut si qu'il est dans le système économique là, et n'a malheureux, peut gagner un autre la vie là-dedans. Ou pas qu'on est côté ça, un dimon n'a pas un petit travail pour lui faire à travers sa l'argent qu'on investit là. Côté ça, finalement, value added somewhere. Donc, à le Coran, j'ai nous, Walladina yaknizuna dhahaba wal fidda. Un dimon qui peut entasser, qui peut ramasser, qui peut garder comme un trésor l'eau avec l'argent. Là, voilà, yun fiquna ha fi sabilillah, et je ne pas dépenser ça dans Allah soussime. Alors, fabashir humbi adabin alim, donne zot. Nouvelle qui est une punition douloureuse pour eux. Alors, on n'a pas ramassé, entassé, on n'a pas gardé pour réinvestir et en même temps faire fi sabilillah. Donc, nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Quran, le Sharia, fin met énormément l'emphase, le sadaqa. N'a pas gardé pour un musulman n'est pas capable, égoïste, n'est pas capable de gardé pour lui. Les bizins donnent ban les autres. Pilier l'islam, zakat. C'est lui qui pas donne zakat. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu fin prend l'armée, fin à la guerre contre eux. Manjimoun si dit, je pas pour donner zakat. L'État islamique, il a envoyé l'armée pour la guerre contre eux. Ça, nous, Sharia, il est assuré pour un rééquilibrage. Ce qui est là, donne ce qui est là. Même quand il n'est pas obligatoire, là, où donner. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a énormément hadith. Sa quantité l'emphase, il mettait le sadaqa. Donner. Il dit, ouais, un seul temps, ouais, là. Vous pouvez n'appeler ce qui ça. On mange la moitié là-dedans. Donnez l'autre dimanche à la moitié là. Et t'as qu'on a, voilà, ou bien, chit, qui, tamra. Protège l'autre, et puis, tu fais l'enfer, même avec la moitié tam. Sa quantité là, nous dit, et montrer, nous donner, partager. Et plus un dimanche donné, plus il peut gagner encore. Plus un dimanche partager, plus Allah peut donner encore. Donc, brièvement, nous finissons un survol, l'auban, makasid. Ça va un objectif sharia là. J'espère que mon frère nous comprend. Et nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne nous compréhension, nous dit. Il fait nous comprendre quelque chose pour qu'il nous donne nos affaires sur valeur. Mais en même temps, nous ne sommes pas rentrés dans une pièce qui, certains disent, aujourd'hui, je peux essayer de comprendre l'esprit de la loi ou je contourne la loi. Nous disons, sami'ana wa ata'ana. Nous entendons, nous obéissons. Nous bien connaissons qui est une raison pour m'en expliquer là. Et une raison qui nous comprend. Oh, tel règlement, Allah dit Ali Faraz à cause de telle raison. Allah dit Haram ça à cause de telle raison. Astère nous comprend. Nous bien comprend aussi qui sa tigin qui nous comprend là, c'est juste un tigin ça. Majorité nous pas encore comprend. Alors nous pas déclore pli connaît. Allah dit pas faire ça ou pas faire ça. Allah dit obligé faire ça ou faire tout ce qui est capable pour faire. Parce que Sharia, li pas juste pour saban maqasid là, pour saban objectif là, mais il y a aussi un moyen pour nous rapprocher avec Allah, comme on expliquait au commencement. Il y a un bien pour nous, l'eau, la terre,
Il y a un du bien pour nous dans la terre, en même temps, il y a un du bien pour nous rapprocher avec Allah, pour Allah compte en nous et pour nous gagner ce jannat dans la Mon fait qu'il y a un article là, un japonais découvert qui, quand un du monde, il reste faim, il n'est pas mangé pendant plus qu'il 8 heures de temps, jusqu'à 16 heures de temps, alors il y a une cellule dans sur l'écho qui, lui, qui diffère, il mange les autres cellules qui inutiles, qui mauvaises et qui nocifs. Soit une cellule cancer, ou soit une toxine, pour ça, on lave sa faim. Ça veut dire, l'IPE lave sur les peaux, l'IPE nettoie sur les peaux. C'est un rosa. Quand nous regardons rosa, nous pouvons nettoyer nous les peaux. Trouvez, il y a du bien pour nous là-dedans. Il y a du bien pour nous là-dedans. Combien bien fait il y a là-dedans, l'on nous l'équerre, l'on nous l'esprit, l'on nous côté intellectuel, nous côté émotionnel, l'on la société. Combien du bien il y a là-dedans? Mais Allah qui dit dans le Coran, Allah vient faire obligatoire l'onou rosa, la'allakum tattaqoun, pour qu'ils aient gagné ta croix, nous rapprocher avec Allah. Et Allah qui dit le rosa, lui dit ça pour moi, ça. Toute bonne action qui dit mon faire, Allah dit ça pour gagner tel sawab, tel sawab, tel sawab. Rosa, il pas dit qui sawab pour gagner. Il dit ça, mon banda, il fait pour moi, ça. Moi, je peux récompenser. Un a dit, moi, je peux récompenser. Donc, qui sait pour gagner à cause de sa rose là, ça, Allah vous montrer. C'est une jolie surprise qui a l'engordé ça. Trouvez là, nous pouvons faire quelque chose qui nous peut suivre Sharia. Li bon pour nous, li bon pour nos sociétés, li bon pour nos dunya, mais surtout li bon pour nos akhirat. Ça, Allah sur Rahmat ça. Ainsi de Allah sur l'amour pour nous ça. Quand nous guettons Sharia, quand nous handle Sharia à cette terre, nous guettons lui comment celle-ci même qui nous est là pour aller, le chemin du salut, the natural way, si mon pousse au tilalan, mon poupé a dit, nous guettons lui comment Allah sur Rahmat, nous guettons lui comment Allah sur l'amour pour moi, Allah compte en moi, l'in donne-moi ça, ça système pas fait là. Allah fin mettre ban prophète là, il fin mettre ban sahaba là, il fin mettre ban imam là, qui fin faire sa charia là, vin facile pour moi. Moi, j'y pose une question, moi, gagne une réponse. Moi, pas besoin d'aller, moi. Moi, gagne droit faire ça. Moi, obligé faire ça. Moi, dis-moi une question, moi, gagne une réponse, moi, fais-le. Ça, c'est rahmat depuis Allah. Nous remercions Allah pour ça. Donc, nous faisons droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout à fait, suive charia, comme a besoin, comprends-le, comme a besoin, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas laisse-nous perdre ici, mais, pas laisse-nous, nous, bonnes enfants, nous, bonnes, descendant père d'ici, nous resferme le charia, qui Allah subhanahu wa ta'ala mette la lumière dans nous, et lui fait nous vivre un moyen pour propager ça, la lumière là, qui nous vivre un moyen pour accomplir ça, préserve ça, un objectif charia là, ça cinq objectifs là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi ban qui proche avec lui, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.